Hey, salut à tous les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc ça fait un petit moment qu'il n'y a pas eu de vidéo, donc je suis désolée, j'étais bien malade. Là je suis pas encore totalement ma voix, mais écoutez, voilà, on va s'y remettre tranquillement. Donc j'avais farmé entre deux bah, les quêtes, vous voyez. Donc on va aller voir le Black Bear un peu, voir ce qu'il nous propose. Voilà, avec un petit peu de son, c'est quand même bien mieux les amis. Alors, du coup, on va cliquer, voir un peu la quête qu'il nous propose. Donc hop, on reclique les amis. Donc 375 000 pollen, ok. Donc on a enfin une abeille de niveau 7 les amis. Donc c'est trop cool en vrai. Donc on va essayer tout simplement d'aller voir la Mother Bear, histoire de voir ce qui s'y trame. Hop, oh, on a une gelée royale, nice. Tout bon tout ça les amis. Donc il faut 7 abeilles de niveau 7 et donner 500 friandises, 25 myrtilles et 25 fraises. Donc ça c'est plutôt cool, on va plutôt y arriver assez rapidement. On va aller voir le bon... Brownbear là-haut, histoire de voir un peu la quête qu'il nous propose. On va tuer l'abeille et la coccinelle, bien évidemment. Allez, c'est parti, cocotte. Allez-y, allez-y, tuez-les tous. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à parler, je vais pas vous mentir. J'ai sacrément encore mal à la gorge. Mais on va y arriver. Donc, le Brown. Alors, salut, copain. Alors, 200 000 dans le champ de bambou. Et je me suis fait, j'ai appuyé sur la touche E. Ok, copain. Ça marche. Là, il faut qu'on aille voir tout simplement bah, Loa, le panda bear. Salut toi. Bonjour monsieur. Enchanté de te connaître. Ah, il nous a donné encore une gelée royale. Alors, 10 coccinelles, 10 scarabées, 10 scorpions, 10 mantes, 10 araignées et 5 loups-garous. Waouh, sacrément du temps. Alors, on va aller voir le science bear qui est là-haut. En passant, on va récupérer. Comme on a été sur le. On a vu. 1, 2, 3, on a rejoint le club, pardon. Donc, du coup, on peut se permettre tout simplement de cliquer ici. Là-haut, 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 le science beer, du coup. Hop. Ok, donc on a à nouveau une fiole là. Donc 240 000 pollen rouge. Ok, donc il faut chaque type de pollen. Ok. Ah. Allez, mourez, 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 mourez. Hop, alors c'est parti les amis, donc on y va, donc je veux pas... Ah, on va devoir éliminer l'araignée. Allez les abeilles, c'est parti. Butez-la. Allez, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Wouh! Allez. Nice, on a quand même eu un ticket. Alors, combien on a de tickets d'ailleurs? Attendez. 41? Wouah! Est-ce qu'on n'a pas un truc à faire alors? Non, on n'a rien. Oh, dommage. Je pense que d'ici la fin de l'épisode, il y a moyen qu'on ait une nouvelle abeille. Ah oui, il faut que j'élimine le loup-garou, les amis. Attendez. Donc, on élimine le loup-garou. Je parle un peu du nez, c'est juste horrible. Ma voix, j'ai l'impression qu'elle est vraiment horrible, les amis, aujourd'hui. Allez, allez. Meurs, meurs, meurs. Hop, allez, allez. Ah, allez, les abeilles. Des fois, elles mettent plus de temps à le tuer, je comprends pas trop, vous voyez. J'arrive pas à comprendre le délire. Allez, allez. Allez, 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 les abeilles, allez, allez. Yes, allons éliminer. Allez, good. Donc, on va aller voir le polar bear, histoire de voir un peu nos quêtes. Je continue à cliquer, vous voyez, je maintiens le clic sur ma souris pour rien, parce que là, il y a aucun fichu pollen devant mes yeux. Mais bon, écoutez, pourquoi pas, c'est Hello, on va dire que c'est normal. Ok, donc il faut qu'on élimine 3 araignées pour cette quête. Ok, pourquoi pas. Je vais également vous montrer. Allez, allez. Meurs, 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 meurs. Merci, merci pour les jetons. Donc il n'y a plus que la quête des jetons que j'avais pas fait. Donc on a 1200, quasi 1300, vous voyez, sur les 2000. C'est plutôt cool. Donc là, il y a aussi le distributeur du club ici. Hop. Et du coup, mon tableau est ici. Alors. Comme vous le voyez là, j'ai 11 gelées royales parce que tout simplement, à chaque fois que je me suis couché, j'ai fait la fourmilière. Donc, du coup, c'est ce qui aide plutôt pas mal. Donc, elle, on l'a plusieurs fois. Donc, on va essayer de la transformer. Ah. Non, non, non. J'ai l'impression que je ne l'ai pas encore, celle-là, les amis. Alors, attendez, là, là, là. Les abeilles sont devant. Ah, si, il y en a une là. Alors, c'est reparti, on recommence. Des intrépides, j'en ai une autre, je crois, même deux. Je crois que celle-ci, c'en est une là. Non, c'en est pas une. On a du mal à les différencier en vrai, je trouve.
Donc celle-là, j'ai deux fois aussi. Et décidément, vous voyez, c'est la pure galère pour en avoir. Tac, 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 tac. Ouais. Ok, c'est bien ce que je disais. Là-bas en bas, on en a une autre, d'intrépide. Alors, hop. Celle-là, on l'a déjà aussi. Et décidément, on n'a pas de chance, les amis, là. Ok. Donnez-nous notre légendaire, bon sang. Alors, cette épique-là, je l'ai déjà ici. Donc, hop, on se refout une gelée royale. Celle avec des lunettes, on l'a déjà. J'ai une autre... Non, les amis. Les amis, on a 5 légendaires! Oh, les gens, regardez, on va aller faire quelque chose que j'attends de pouvoir faire depuis longtemps, 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 longtemps. On va aller là-haut et on va invoquer une pluie de jetons. Ah, les amis, c'est l'Himalaya, là, ça y est. Ça y est, ça y est, ça y est, c'est l'Himalaya. Attention! Yeah! C'est la première pluie de jetons de miel que je fais sur ce fucking jeu, les amis. J'en reviens pas, c'est juste excellent, extraordinaire, tout ce que vous voulez. Mais là, je suis juste mécontente, enfin mécontente, méga contente du moins. Un jour, on va réussir à parler et je kiffe plutôt. Ça va être sympa, on va pouvoir farm. Donc du coup, toutes les 4 heures, vous pouvez invoquer une pluie de jetons. Bon, j'y joue jamais 4 heures d'affilée, donc ça me paraît problématique. Mais au moins, à chaque fois que je vais pouvoir m'ico, je pourrais le faire, quoi. Alors, la suite des opérations. Donc, il va falloir qu'on fasse nos quêtes, tout simplement. Et qu'on arrive à avoir plus de gelée également, pour pouvoir transformer un peu notre tableau de bord, parce qu'on accorde des abeilles qui sont identiques. On n'en a pas 25 différentes. Donc, ça va être problématique. Ouais, tu as découvert 24 types d'abeilles. Donc, on est d'accord avec ce petit tableau. Donc, je sais pas encore. Attendez, je sais laquelle qu'on a en double, du coup, là. Je ne comprends plus, les amis. Je n'arrive plus à les différencier. C'est celle-ci qu'on a en double, là. Donc il faudra qu'on la transforme. Alors, au niveau des quêtes, du coup, il faut donner 25 fraises. C'est parti, hein. Hop, on va la faire level up. Là, il faut donner 25 ça. Les amis, on en profite. Je vais pas vous mentir. Du coup, 500 friandises. Ah ouais, j'en ai 400 aidés. Ah ouais. Ah, c'est trop cool, on a pu... Et je donne tout. Yeah! Et les amis, on progresse. Vous voyez, 4 abeilles. Donc il nous manque encore. Allez. 85? 85, oui. Friandises pour pouvoir. Voilà. Donc je vais aller farmer ce pollen. Je vais aller farmer dans le champ de bambou ça. Comme ça va me permettre de farmer ça à peu près. Après, on va aller farmer. On va aller tuer des mobs à droite, à gauche. Je vais aller farmer ça dans le champ de champignons. Et je vais ramasser tous ces pollens là. Comme ça, au moins, je vais farmer tout ce qui est pollen sans vous. Et après, voilà, je vous reprendrai dès que j'aurai farmé tout ce pollen, les amis. Et re tout le monde. Alors, j'ai farmé un petit peu. Donc, j'ai reçu 2-3 mobs par-ci par-là. Mais on va dire que le temps d'attente pour tuer tous les araignées et les scorpions est assez long. Donc là, on va voir le science beer parce que la quête est terminée. Donc, tac, tu nous donnes rien d'extraordinaire? Attendez là. Il nous a rien donné comme autre quête? What? Ok, il nous donne rien d'autre. Ah, je suis au Polar Bear alors que c'est aux Sciences Bear qu'il faut que je parle, les amis. Eh, allô, hello là. Allô, allô. Alors, bref, de toute manière, on vient pas ici par hasard, les amis, parce que vous voyez, on a 5000 pollens. Donc, on va pouvoir aller acheter tout simplement le parachute. Alors. Tac. Et voilà, on a enfin un fucking parachute. Yeah. Oups. J'ai pas réussi à y aller, les amis, vous avez vu? Le gros fail. Alors, on va essayer d'aller attraper ce ticket, écoutez. Ça serait sympa. Alors, attendez. On va essayer de... Ah, ça va pas être si pratique que ça. Ah si, ah si, 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 si. Attendez. Au bon moment. Ah, je suis sûre qu'on peut y arriver. Ah, on est retombé tout en bas. Ah! Ah les amis, on est retombé tout en bas. Ah, j'adore. Ah, les fails avec Hello, c'est monumental. Mais je suis sûre qu'il y a moyen d'y arriver, les amis. J'en suis convaincue.
Ah, je pensais qu'on pouvait s'accrocher au truc écrit shop. Ah, je suis sûre qu'on peut l'avoir assez facilement ce truc. Ah, ah bah je viens de perdre des jetons bêtement. Bah écoutez, c'est pas grave. Hop. Décale-toi un tout petit peu, Hello. Ah, on n'y arrive pas, les amis. Bon, si mes abeilles arrêtaient de me saouler également. Ah, voilà. Ah, punaise. Ah, je suis. Il y a moyen d'y arriver en vrai, mais là, j'y arrive pas tout de suite. Hello n'a pas la science infuse là tout de suite. Vous voyez, les amis, présentement, c'est un peu la misère. Donc, le science beer, puisque je m'étais trompée, j'ai cru que c'était le polar beer qu'il fallait que j'aille voir, j'avais mal lu. Du coup, hop. Donc, on a encore ça. On a gagné un ticket de plus. Wow! Ah, la quête qui va être énorme. Alors, attendez. Donc, ça, le pollen, en soi, on va pouvoir le farmer assez vite. Les scarabées, le loup-garou et les scorpions. Waouh! Il est déter le truc pour les quêtes. Il est déter, les gens. Alors. Ah, il faut. En vrai, je sais que grâce au parachute, j'ai réussi à attraper ça sur mon autre compte. Donc je sais qu'il y a moyen, les amis, de le faire. Juste, je vais galérer et honnêtement, vous record ça va pas être le truc le plus foufou du monde, hein. Mais je sais que c'est comme ça que j'ai procédé. Ah, ah, les bignous ont déjà ripop. Allez mourir, bande de sales bignous. Hop, hop, merci pour les jetons. Hop. Alors, on va aller récupérer notre petite gelée royale. Hop. Salut copain. Eh, on a au-dessus de 2 tickets, attendez. Ah, 48. Il va falloir qu'on achète une autre alvéole également pour pouvoir poser une nouvelle abeille. Du coup, faut que j'aille voir le Blackbeard, histoire de voir un peu les quêtes. Et après, je vais essayer d'aller attraper toutes mes gelées royales. Ce qui va prendre du time. Hop, hop, hop. Allez, là-haut. On a encore une gelée royale. Oh, trop cool. Ok, donc on a un petit peu de farming à faire. Mais soit en soi, ça va pas demander beaucoup, beaucoup de temps. Ça va le faire. Alors, du coup. Je vais vendre ce que j'ai sur moi, même si ça sert fucking à rien, puisqu'on n'a pas grand chose. Donc, tout à l'heure, on disait que celle que j'avais en double, c'était celle qui est là-haut. Alors, les amis, on va donner de la gelée royale. Yes. Est-ce que j'ai déjà cette abeille? Non. Ah, ah, pour lui. Ah, si, elle est là. Hop. Alors, celle-là, on l'a déjà également. Ah, et on a une autre légendaire, mais c'est la même que celle-là, donc du coup, ça vaut pas le coup. On va falloir qu'on achète une autre alvéole, histoire de réussir à avoir une autre abeille différente. Bah écoutez, il va falloir farmer. Sévère. Alors là, on va essayer de retourner là-haut, quand même un coup ensemble, histoire de voir si on va réussir à se propulser où il faut. Et bah, il va falloir attendre pour farmer les champs, farmer les mobs, enfin voilà, vous. Vous imaginez bien que rien ne se fait en un jour. Ça prend du time tout ça. Hop, hop. C'est bien pour ça que je vous épargne les moments de farm qui servent un petit peu à que dalle. Hop, alors, c'est parti. Ah, d'ailleurs, au niveau des quêtes, on en est où? Ouais, donc j'écorque pas mal d'abeilles. Ouais, surtout les mobs à farm qui sont plus galères. C'est vraiment ça le truc problématique. Donc voilà, mais bon, on va y arriver, doucement mais sûrement. Alors là, on va essayer de. Oh punaise! Oh les amis, j'y étais presque. Oh, je me suis fait comme une grosse noob. Par contre, là, je suis où? What the fuck? On est passé où nous? C'est quoi ce délire? Ah bah, les gens, écoutez, Hello a réussi à se bloquer. Je ne sais pas par quel Saint-Esprit, mais j'ai réussi à me bloquer. Ah, elle est pas mal celle-là. Oh bah écoutez, je vous retrouve au truc qui propulse. Hein. Alors, les amis, on se retrouve ici. Donc, tout simplement pour aller chercher la gelée royale qui est là-haut. Je vais vous proposer une autre astuce. Parce que là, j'ai clairement fail de chez fail. Donc, on monte sur le panneau. Pourquoi il veut pas? Comme par hasard. Alors, hop, on monte sur le panneau, on saute là, vous voyez, et tout simplement, on monte sur elle, et hop,
On va passer ici comme ça. On va descendre. Vous voyez? Alors, des fois, quand on saute sur les panneaux, ça bug. Mais ça marche quand même malgré tout. Donc là, vous voyez, il y a une gelée royale. Cadeau! Donc là, il y a quelqu'un. Je sais pas ce que la personne fait là. Mais voilà, on a une autre gelée royale. Attendez, on va direct l'utiliser, vous savez quoi? Ah bah non, je peux pas l'utiliser, sinon je vais perdre. Ah ouais, faut que j'achète un autre emplacement. Donc on va stocker nos gelées royales jusqu'à ce qu'on ait acheté une nouvelle alvéole. Histoire de pouvoir être tranquille. Donc là, ce qui nous manque, c'est la gelée royale qui est sur le pissenlit là. Donc on va essayer d'aller l'attraper. Hop. Ah, ça Jerry Pop. Allez, hop. Ça nous fera des jetons, donc on dit pas non. Surtout que on en a besoin. Bon, les autres jetons, je m'en balance. On va pas se mentir. Alors, on va essayer d'attraper celui qui sont le pissenlit maintenant. Donc ouais, voilà, comme je vous disais, des fois quand on saute sur les panneaux, ça bug un peu, mais voilà, il y a plusieurs façons de faire pour aller choper les différentes gelées. Ah, c'est... Je sais pas comment j'ai fait, je me souviens plus. Ça va être problématique. Je sais plus comment j'ai fait pour choper celle-là. Je suis convaincue que j'étais passée par là-haut, les amis. Hein. Je vais essayer jusqu'à ce que j'y arrive, mais ça va prendre du time. Alors, les amis, j'arrive vraiment pas à choper celui qui est au-dessus du pissenlit. Donc, je me demande. Yeah, voilà. Mince! Oh, j'y étais, les amis, vous avez vu? Attendez, on y retourne tout de suite. On y retourne tout de suite. Hop! Vous avez vu, j'étais presque là où il y a la gelée royale, l'espèce d'étoile. Ah, les amis, écoutez. C'est vraiment pas évident de choper toutes les gelées royales, je vous avoue, mais. Ah, oh, punaise, mais mon sac à dos qui. Enfin, mon parachute qui reste pas ouvert tout le temps, c'est galère. Je vous jure que c'est vraiment galère. On a une autre gelée royale, les copains. C'est trop cool. Donc, il reste encore celle-là. Yes! Ah, les amis, vous voyez, on a réussi. Donc, je crois qu'on a plus d'autres gelées royales à choper dans cette zone. Donc, il y a encore le ticket là-bas à avoir. Je vais essayer de l'avoir, écoutez. On va essayer, on va essayer. Ce sera un épisode un peu plus fun que d'habitude, j'ai envie de dire. Enfin, fun. Dans le sens où, voilà, c'est en mode on va à la quête des trucs. Mais je trouve ça important en vrai. Pour l'avancer dans le jeu, d'avoir les éléments adéquats. Tac. Alors, là, j'arrive vraiment pas à passer. C'est quoi ce délire? Hop. Hop. On y arrive doucement, mais sûrement. Yes. Alors, là, il faut que j'arrive à aller là-bas. Yes. On a réussi. Alors, il nous reste quoi encore comme jeton qu'on pourrait avoir? Ah oui, là-bas, c'est vrai, là où il y a le Polar Bear. Alors, ah oui, c'est ici. Alors, vous avez vu, là, on a le petit parcours de jump. On a un ticket là-haut et là-bas, on a une gelée royale. Donc là, en gros, il faut sauter. Mais voilà, comme je vous ai dit, vous le savez bien, je suis pas la pro du jump. J'aime en faire. Mais je suis pas du tout une pro. Vous avez vu, là, je suis tombée comme une grosse noobie. Donc, à la première fois que je l'ai fait, j'ai tellement galéré. Battle m'a dit, mais hello, laisse tomber, tu feras ça plus tard et tout. Mais je suis quelqu'un de borné, les amis. Donc, du coup, quand j'arrive pas à faire quelque chose, bah, je vais continuer jusqu'à ce que j'y arrive. Donc, ce qui peut être des fois agaçant pour les gens parce que je râle, très clairement. Dans ces moments-là, je suis hello la rageuse et pas hello la raisonnable. Alors, vous voyez là, le problème, c'est que ce fichu parachute ne s'ouvre pas toujours. Donc c'est un peu problématique. Je sais pas, je galère avec l'utilisation du parachute. Vous voyez, là, je saute. Et des fois, bah, je sais pas. En fait, en gros, il faut double sauter pour que le parachute s'ouvre. Donc des fois, j'appuie. Mais visiblement, pour mon clavier, je n'appuie pas assez vite. Alors, vous voyez. Ah! Alors ça, c'est le truc qui arrive très très souvent, vous voyez. Où on se casse la figure et on n'arrive pas à remonter. Donc ça, c'est problématique. Hop, on va essayer d'y arriver. Ah, vous voyez, ça m'énerve. Je suis vraiment une quiche.
Alors, les amis, on se retrouve un moment après. J'ai dû éliminer quelques mobs, j'ai dû éliminer une abeille cruelle et tout. Enfin, voilà. Le bordel complet, va-t-on dire. Ah ouais, j'ai réussi à glitcher un truc. Ah ouais, j'ai réussi. Ah, il y a quoi ici? Oh! J'étais jamais venue là, ça me dit rien du tout. Ah, je suis morte. Ah merde. C'était pas prévu au programme, ça, les amis. Je vais pas vous mentir. C'était pas prévu du tout au programme. Ouais. On est mort avec pas mal de pollen sur nous. Ça fait un petit peu. Voilà quoi. Ah bah ok. Bon, bah, on aurait une gelée royale et une mort. Écoutez, ma foi, j'ai envie de vous dire. Fort sympathique tout ça. Bon, bah, on va aller à pied là-bas. On n'a pas trop de choix, j'ai envie de vous dire. Bon, je vais pas m'attarder à tuer les mobs. Parce que j'aimerais avoir le dernier ticket. Qui est là-haut. Et on a vu qu'il y avait une gelée royale. Elle est déjà là, l'araignée? Ah bah attendez, je vais la tuer. Hein. Bah, mes abeilles, elles sont où? Elles font quoi? Les abeilles, vous dormez? Vous faites la fête? Comment ça se passe là? Bien, bien? Ou si, la famille? Ça se passe comment là? Ah, elle commence à arriver. Ah, quand même. Ah, quand même. Ah, quand même. Elle dormait en fait. Tranquillou. Tranquillou, bilou, les nanas. Elle était dodo. Pourquoi pas, les amis? Écoutez, ma foi, mais bien, t'as. Moi, je veux bien. Hein. Alors, allez, on va essayer d'attraper là-haut ce qui traîne. Hop. Donc, il y a une gelée royale qui traîne là-haut. Ça, c'est un challenge, les amis. Je l'ai jamais eu, celle-là. Je sais pas comment on fait. Ah, par contre, l'histoire de cette porte, j'ai rien compris à ma vie. Ça, je vais pas vous mentir, j'ai rien compris à ma vie. Alors, en tout cas, je suis ravie d'avoir le parachute parce qu'on va pouvoir tomber et tout, aller beaucoup plus facilement en bas et tout. Pour voyager, ça va être assez sympa. Mais voilà, il y a une gelée royale que j'ai pas eu et un ticket. Donc la zone à 30, bon, on la débloquera dès qu'on pourra, bien évidemment. Alors, comment on fait pour aller là-haut, sérieux, les amis? Alors, s'il y en a un de vous qui a une idée, je dirais pas non. Est-ce que c'est pas le truc qui... Alors, attendez. Alors, les amis, j'ai beau chercher, je ne vois pas comment aller chercher la gelée royale qui est là-haut. Vous voyez tout là-haut, là? Je vois pas du tout. Encore là, le ticket. Voilà. Hop, je savais que j'allais pouvoir l'avoir, mais la gelée royale qui traîne là-haut, j'en ai aucune idée, hein. Et cette gelée royale qui est là, je vois pas comment. Où est-ce qu'il y aurait un trou, en fait, pour y accéder? Tout simplement. C'est un peu ça que je cherche depuis tout à l'heure. Je traîne un peu partout, je vous avoue. Je sais que je suis pas très douée en jump, mais là, quand même. Il manque un trou pour pouvoir accéder là-bas. Donc, est-ce que c'est en allant dans la zone à 30 qu'on va débloquer une zone qui va nous permettre d'accéder à un trou pour aller dedans? Donc, là, c'est le boost du champ, donc ça n'a rien à voir. Ah, je vois. Je me dis qu'il y a un tunnel quelque part qui doit mener là-bas. Et par contre, là-haut, waouh! Comment y accéder? Alors là, c'est mystère et boule de gomme. Très clairement. Parce que on n'a rien qui est assez haut en fait et où on pourrait planer. Donc, est-ce qu'on peut choper la gelée royale qui est là quand on aura débloqué la zone à 30 par exemple? C'est plein de mystères tout ça. Parce que même si ici, les amis. Ah si, peut-être. Ah si, peut-être. Je vais tenter. Je vais essayer à peu près, un peu plusieurs fois, voir. Mais peut-être. Alors, les amis, on se retrouve. Donc, en fait, ce que j'essaye depuis tout à l'heure, c'est d'essayer d'arriver là-bas, en gros, sur le truc bleu, pour pouvoir monter tout là-haut, en fait. Pour essayer d'aller là-bas, récupérer la truc. Mais honnêtement, je n'y arrive jamais. Je sais pas si c'est faisable ou pas. J'en ai aucune fichue idée. Et vous voyez, les mobs ont eu le temps de repop. Donc, comme quoi, ça fait un moment que j'y suis. J'arrive pas à accéder à cette fichue gelée royale qui est là-haut. J'ai beau tenter tout ce que je veux, je n'y arrive pas. Donc, ma foi, je vous ai montré comment en avoir 3 supplémentaires et quelques tickets. Donc, j'ai envie de dire, pour l'instant, l'opération est grandement menée. On réessayera prochainement de avoir cette fichue gelée royale qui est sur le commerce là-bas.
Mais là, à l'heure actuelle, bah, je n'y arrive pas, donc j'ai pas envie de m'attarder plus longtemps là-dessus. Mais voilà, on a quand même eu voilà, 3, 4, même 4 gelées royales, parce qu'on en a une dans les 4, je crois. Donc là, moi, j'ai farmé dans le truc de pollen, dans le champ de cactus, dans les citrouilles, araignées. Je vais tuer quelques mobs par-ci par-là et je vous reprends dès que j'ai avancé dans tout cela, les copains. Alors, les amis, on se retrouve, donc c'est parti. Donc, j'ai farmé un petit peu. Donc, vous voyez, il y a quelques quêtes qui sont terminées. Il y en a juste deux que j'ai pas fini, celle-ci et celle-ci. Mais honnêtement, attendre entre les araignées et les loups-garous, ça va prendre énormément de temps. Donc, ça sera pour la prochaine fois. Mais voilà, on a quand même pas mal progressé dans cet épisode. Donc, je suis plutôt satisfaite, disons-nous. Alors, doucement, 300 000 pollen, ok. Donc, on va aller voir combien coûte une alvéole, les amis, parce que voilà, j'ai 3 millions ouais, de pollen, enfin de miel du moins plutôt. Donc, on est plutôt bien, ma foi. Alors, tac. Eh bah, nickel. Et la prochaine, elle coûtera quasi 8 millions. Ok. Bon, écoute, on en a déjà une, c'est déjà ça. Alors, suite, les amis. Donc, on va aller poser cette alvéole. Mais d'abord, on va aller voir tous nos petits ours, ils sortent voir les prochaines quêtes qu'il va falloir faire. Hop là. Salut. Bonjour toi. Hop, on a obtenu encore des tickets. Oh ma foi, ça va vite pour avoir des tickets. Ok, donc alors, pas mal de petites choses à farm d'ici la prochaine fois. Donc là, on peut pas aller voir. Hop, on va aller voir lui là-bas. Hop, hop. Alors le panda bear, qu'est-ce qu'il va nous donner? Ok, du pollen, toujours plus. On dit pas non. Alors il nous reste qui à aller voir les amis? L'abeille. Eh ben c'est parti, go voir l'abeille. Mais on progresse, on progresse, on progresse. C'est plutôt bon ça. Donc moi dans cet épisode au final on aura passé beaucoup de temps à les farmer la gelée royale. Donc mais bon, voilà c'est des fois un peu nécessaire j'ai envie de dire. Donc voilà, il va falloir farmer 2 millions. Non, 2 500, pardon. jetons de miel. Là, on va chercher l'œuf grâce au ticket. Donc, d'ailleurs, est-ce qu'on a des tickets à prendre, des badges? Non. Peut-être que la prochaine fois, on aura des badges à prendre, mais là, on a zéro badge. Ok. Hop, alors, on va s'acheter notre œuf doré. Hop. Voilà. Hop, on quitte la boutique, c'est parti les amis. Et on va retourner à notre ruche. Yes. Ah, vous voyez, notre alvéole a été posée. Donc, je vais transformer mon miel. Voilà. On va poser notre œuf. On a une épique bleue que l'on a déjà. J'aimerais bien avoir la 25e, histoire de pouvoir avoir le raccourci. Non, on l'a déjà. Celle-là aussi, si je dis pas de bêtises. Ouais. Alors, on va être un peu dans la panade, je pense. On est ravis. Et on l'a déjà aussi. Hop. Et celle-là, par contre, on l'a déjà aussi. Bon, bah écoutez, ma foi, c'est comme ça. Donc, il faut qu'on utilise des gelées. Je vais utiliser sur laquelle? Ah, sur celle-ci. Là. Voilà. Allez, level up au niveau 7. Donc, on est plutôt bien. Donc, ma foi, au niveau des quêtes. Bon, j'en ai encore une à passer au niveau 7. Je dois tuer pas mal de loups et d'araignées. Et il y aura tout ça à farm. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais farmer au maximum entre cet épisode et le suivant. Mais voilà. On a quand même pas mal progressé, hein. On a quand même 6 abeilles légendaires. Bon, une en double, certes, mais on a quand même 6 abeilles légendaires. Et je trouve ça plutôt sympa, moi. Donc, je vais vous laisser là pour cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardée. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. À donner vos astuces pour avoir la gelée royale que je n'ai pas eue. Voilà, portez-vous bien, les amis. Et à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye à tous.